bonjour à tous les Battlegroundiens, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux d'être avec vous. On va parler de dragon dans cette vidéo, l'archétype dragon. Et avant ça, je vous invite à venir sur Twitch parce que je tryhard à fond Battlegrounds en ce moment. Je suis top 14 Europe, donc gros niveau. Et puis j'aime la méta, j'espère que c'est le cas pour vous, mais ça a l'air vu que vous regardez quand même pas mal les vidéos. Vous avez cette envie de progresser, j'ai cette envie de progresser, donc on se régale tout simplement. Donc sur Twitch, je stream, vous connaissez la plateforme, vous connaissez peut-être même le planning, c'est du lundi au vendredi, du matin au soir. En général, je commence vers 10h le matin, 10-11h, et je finis vers 18h environ. Donc voilà, n'hésitez pas à venir soit poser des questions sur Twitch, soit regarder, soit même me faire un petit coucou, ça me fera évidemment très plaisir. L'archétype dragon. Alors moi, je me pose une question depuis pas mal de temps, mais qu'est-ce qu'ils font avec Kalaegos? Parce qu'on est d'accord, Kalaegos, alors... Déjà, la base de tout, et je vais le redire ici, mais je le dis très souvent, et j'espère que ça ne vous saoule pas, mais on joue ce qu'on doit jouer. On ne joue pas ce que l'on veut jouer. C'est-à-dire que parfois, et là c'est ce que vous allez voir, et c'est très intéressant justement, vous allez voir une game dragon. Et dragon, on se dit, bon, c'est pas top tier, c'est pas la compo la plus forte. Sauf que parfois, on a le setup dragon. Et on va pas refuser le setup dragon. Et en fait, je vois beaucoup de ce genre de messages sur Twitch, en mode, ouais, j'ai commencé... de joueurs hein, qui m'expliquent leur game. Alors, j'ai commencé avec cet archétype-là, et finalement, bah, vu que c'était pas assez fort, j'ai fait une transition. On ne fait pas de transition, c'est très rare les transitions. C'est que les très gros joueurs qui font des transitions. Et encore, ça reste rare, c'est vraiment... quand on a une tempo énorme, quand on a une économie énorme et qu'on peut avoir la possibilité de faire des transitions sans trop sacrifier cette économie, cette tempo, tout ça. Mais finalement, ça va être peut-être une game sur 50 qu'il va y avoir une transition. La majorité du temps, on a une compo et on va à fond dedans. Alors parfois, il y a des transitions qui sont naturelles, c'est-à-dire qu'on part sur, pareil, compo faible, guerrier, bête, blessure. Donc ça, on sait que c'est difficile de faire top 1, en tout cas à un certain niveau. Et on a cette possibilité, en fonction de ce que l'on trouve et de la tempo que l'on a, bête blessure, ça peut être assez fort dans le mid, bah hop, on fait la transition vers bête goldrine, qui n'est pas non plus extraordinaire, mais qui peut vraiment faire des choses et qui peut gagner évidemment les lobbies. Et les lobbies, toutes les compos peuvent gagner les lobbies. Dragon peut gagner les lobbies. Mais Dragon, justement, quand vous commencez... Ah voilà, j'espère que c'est un peu flou ce que je dis. Enfin non, c'est pas flou, mais il y a plein d'idées. Donc faut être focus. Quand vous commencez à partir sur Dragon, vous restez sur Dragon. Et vous allez à fond dans Dragon. Vous commencez pas à vous dire, ouais, mais là, j'ai un Murloc qui peut faire que... Non, allez à fond dans votre compo et vous allez voir que vous allez faire des top 1. On joue ce qu'on doit jouer. On joue ce que Bomb nous propose, ce que le jeu nous propose, ce que le bibelot nous propose. On ne joue pas... Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais là, je vous donne des conseils techniques, évidemment, pour progresser. Donc, allez à fond dans ce que vous allez, dans ce que vous avez, même si vous considérez que c'est faible, parce que vous avez tort. Et le message que j'ai le plus sur Twitch, c'est « Fichou, est-ce que ça, c'est viable? Est-ce que ça, c'est viable ?» Mais tout est viable, absolument. Des compos viables, il y en a une centaine dans le jeu. C'est juste qu'il faut arriver à les mettre... vraiment à les mettre en lumière en fonction d'un bibelot. Le truc, c'est que les compos fortes, en général, elles ont un peu plus de bibelots. Elles ont plus de late game, souvent. Par exemple, quand on parle de compos fortes, on va, je sais pas, penser à Murloc. Parce que Murloc, en late game, c'est très fort. Mais Murloc, c'est pas forcément fort en early game, vous voyez, même si ça s'est quand même pas mal amélioré. Donc, chaque compo va avoir une puissance à un moment de la game. Et c'est là où, justement... faut pas voir uniquement, enfin faut pas analyser une compo, une race, uniquement sous le prisme de l'ultra late game, parce que sinon il n'y a que Murloc dans l'absolu. Il pourrait y avoir aussi Uran-Murloc, vous voyez, des synergies comme ça. Mais finalement, par exemple, Uran-Murloc, c'est une compo qui est difficile à créer, donc on pourrait même dire qu'elle est faible, parce qu'elle est très fragile, elle peut apporter pas mal de top 8. Bref, on reste sur Dragon ici. Dragon. Pourquoi? Alors Dragon, c'est une compo qui est plutôt faible, mais bien exécutée, c'est hyper intéressant. Et il faut savoir bien l'exécuter. Donc, je vous invite à regarder toutes les vidéos de la chaîne, mais même celles où vous dites « Ah, cette compo-là, ouais, mais elle m'intéresse un peu moins. » Non, il faut toutes les maîtriser, parce que vous allez forcément les rencontrer à un moment. Et si vous dites « Bon, je la maîtrise pas, et puis de toute façon, c'est pas une compo top tier, et que vous la jouez pas, bah vous allez forcément faire top 8. » En fait, si vous refusez ce que Bob vous propose, c'est forcément top 8. Et si vous l'acceptez, bah c'est top 1. Même avec une compo faible, vous faites top 1. C'est ça qui est très intéressant. En tout cas, Kalaegos. Pourquoi est-ce que Kalaegos, vous avez peut-être la réponse à cette question.
pourquoi ils l'ont pas EP? Parce que ça fait quand même pas mal de temps que le plus 1 plus 1, c'est assez faiblard. Je pense que c'est trop fort pour le mettre en taverne 5, puis ça ferait Caligos taverne 5 plus Bran taverne 5, ça veut dire que tu pionces en taverne 5 et t'as toute la compo. Donc c'est bien que ce soit taverne 6, mais je sais pas ce qui se passe dans la tête des devs pour pas le faire en plus 1, plus 2, plus 2, plus 1. Alors peut-être qu'ils ont fait les tests, et peut-être qu'ils se rendent compte qu'en fait en plus 2, plus 1, par cri de guerre ou plus 1, plus 2, ça devient trop fort. Mais j'ai quand même l'impression que l'archétype dragon, en fait, ce qui est pas normal pour moi, c'est que l'archétype dragon, il est aussi fort en dragon enchantement, voire même un peu meilleur en dragon enchantement qu'en dragon Caligos. Sauf que dragon enchantement, c'est taverne 4. Taverne 4 et taverne 5. Et tu peux même commencer en taverne 3. Donc tu as une compo où tu fais taverne 3, 4, 5 et une autre où tu dois être 5 et 6. Bah, c'est pas normal qu'elles aient la même puissance, vous voyez. C'est un peu comme Uran. Si tu joues Uran, on va dire taverne 4, où tu vas essayer de stacker avec Rilak tes... vous voyez, tu peux faire un truc comme ça, où tu stacks avec Rilak tes gemmes, où tu as le petit Poki là, qui donne un peu d'attaque, etc. Bah, finalement, tu vas jamais arriver à créer un board aussi fort que si tu joues en taverne 6 Uran, tout simplement. Même si tu as un Bran et tout en taverne 5, il va falloir le trouble l'œil, il va falloir des choses comme ça, vous voyez. Donc, non, logiquement, une compo, plus on est en hauteur dans les tavernes, plus on peut lui donner de la puissance. Et Dragon, c'est pas le cas. Et c'est ça qui me pose problème. C'est pas que Dragon soit peut-être plus faible que les autres, parce qu'encore une fois, Dragon peut faire des choses exceptionnelles, c'est juste que ça va être plus rare. Là, vous allez voir la première game Dragon, finalement, de cette chaîne, en tout cas de cette saison. Et il y en aura d'autres derrière. Et d'ici quelques jours, il y en a une autre derrière. Donc, vous voyez, Dragon... ça peut se jouer, mais il faut vraiment bien le mettre en lumière. Bref, en tout cas, je vous ai un peu saoulé dans cette intro, mais c'était important d'en parler. Puis voilà, ça fait toujours un petit peu de théorie. La théorie, c'est ça qui fait progresser. Merci à tous, en tout cas, de suivre mes vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent autant. Et puis voilà, ça me fait plaisir de me dire je tryhard. Et finalement, les gens sont intéressés aussi par ce tryhard sur Battlegrounds. Et puis voilà, c'est chouette d'être un des meilleurs joueurs du monde. Ça fait toujours plaisir, finalement, pour l'ego aussi. Accessoirement, parce que on tryhard le jeu aussi pour être un des meilleurs, donc ça c'est cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur YouTube ou sur Twitch, et je vous souhaite un délicieux visionnage. Je préfère Yogg, je crois, à Icharge, dans le même registre. Quoique, c'est dur à dire en vrai. En vrai, c'est dur à dire. Je préfère Yogg, mais je suis pas certain que ce soit meilleur qui charge. C'est l'heure de monter en selle. Bon, j'aime bien ce départ. Merci Seb Nanterre pour le Prime, merci beaucoup. C'est super gentil, merci à toi. Merci de ton aide. Et je te rajoute dans le sub goal. On est déjà à 17 sur 30. Oh, une embuscade. Eh bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. Il n'y a pas mort-vivant, il a pris Sneed, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire avec. Si tu fais 30 subs par jour, tu vas finir riche, fichou. Ah non. 30 subs, ça fait... 60 euros, peut-être. Par jour. C'est riche ou pas? Tu trouves ça riche? Ok, ça c'est cool, ça me permet de up avec le pouvoir. Et je vais prendre ça.
Et je vais prendre ça. Ou ça, qui marche avec ça. Non, ça. Je dirais plutôt, ouais. Ça fait 600 abos par mois ? Non. Pas 600 par mois. 5 jours. 3 fois 5. 150. Vous êtes en bonne voie. 150 fois 4. Si, 600. C'est ça ? Ouais. 600 abos par mois. Ouais, c'est plutôt l'inverse. Si je fais 600 abos par mois, j'arrête mon travail. Hein. Je peux pas vivre avec 600 abos par mois. Non mais là on a pas mal d'abos hein, sur la chaîne actuellement. Oh cool. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Click, up, déjà on fait ça. Ok. Je up. Après il y a un spot où ça c'est bien, mais je pense qu'on est pas mal en tempo pour up. Mais en même temps, ça. Ça, ça peut donner un bon truc. Et ça, c'est pour dans 1000 ans. Et en même temps, le up, je vais choper tout de suite des bons trucs. Je pense que ma tempo, elle est énorme. Allez. La question, c'est est-ce qu'on prend la banane? Mais je pense pas. Gardons les pièces au maximum. 900 abos par mois, du coup, 30 x 30. Non, parce que je stream pas le week-end. Ça fait 5 jours dans la semaine. 5 x 30, 150. 4 semaines dans le mois. 150 x 4. C'est ça ? 600. Oh, une embuscade. Ok, ça tient, c'est beau. Bon bref, on s'en fout. C'est des chiffres. Ça, je le vends. LM. Clic. Up. Un up très agressif, mais bien soyeux. Et argent. Pas mal. De toute façon, avec Yogg, si on fait pas des turbo up, ça n'a pas de sens. Hein. Le but de ce personnage, c'est de rusher les tavernes, de profiter de ça justement pour rush sans perdre trop, et après on commence à jouer au jeu quoi. Est-ce que tu dirais que c'est la méta que tu maîtrises le mieux? C'est possible. Après les anomalies, j'aimais beaucoup. Bon, mais il y avait tellement d'anomalies qu'il y en avait. En fait, il y en avait que je maîtrisais très bien d'anomalies, et il y en avait où c'était la découverte. Mais j'aimais bien ce BG là. Tu fais quoi de tes week-ends? Ouais, je me repose en général. Vu que je fais des semaines très concentrées, je me repose, je cuisine, je jardine. Les trucs de base, quoi. Je me balade. Ok, c'est beau d'arriver à gagner. Enfin, d'être devant. Ah, ça c'est vraiment très cool pour construire. Mais gâteau d'yog, c'est quand même assez exceptionnel. Ah, gâteau d'yog, j'aime trop. Il y a trop de gourmandises. Merde, ça c'est le pire par contre. Ouais, ça fait rien. Tant pis. Elle avait quoi? Poète, 3-3. Bon, elle avait des trucs qui peuvent nous intéresser. Poète.
Price. Bon bah ça a priori j'ai l'impression que ça va dragonner hein. Ou dragoniser hein. Je sais pas comment on dit mais... On dit pas je crois. Je suis pas mal en tempo là. Je trouve que j'ai une jolie tempo. Vous avez trouvé un sacré bon filon. Eh, hey, salut pas. Mon con. Ouais, dragon, c'est pas ce qui me plaît le plus. Surtout que là, il y a élémentaire. Donc s'il y a élémentaire, ça veut dire qu'il y a la sorcière once. Et sorcière once, ça défonce ce genre de compo. Mais bon, on joue ce qu'on doit jouer. On ne joue pas ce qu'on veut jouer. C'est la clé. Ça fait tarader de partout à la fin. Bon, le Miam Miam est un peu naze. Tant pis. Je pense que je vais up. Essayer de dorer vite mes cartes. Bon, ça, c'est quand même exceptionnel. Cet endroit avait juste besoin d'un bon coup de balai. Ok, cool. Donc, ça, on dégage. Ça aussi. Pas confiance non plus. Ça aussi. Peut-être lui, on dégage. Hein. Alors, je vais jamais aller dans la 6. Lui, il chope lui, il chope lui. Ah ouais, le problème, c'est qu'on est en train de booster des crépuscules. C'est pas un peu chiant? C'est pas genre on booste les promos et puis de toute façon eux ils vont vous allez partir. Mais les promos ils vont jamais partir. Fichou, faut que tu cries la roue au début du tour sinon c'est nul. Ouais c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Je me plains que la roue est nulle mais c'est de ma faute. Exactement. On est d'accord, on fait ça hein. Lui, il booste lui, lui, il booste lui. L'un, il booste l'autre, lui, il booste l'autre. On perd un peu de stats sur le long terme, mais en fait, on perd qu'un plus 3 sur le long terme, c'est ça? Non, on perd un plus 6 sur le long terme, mais en fait, dans le long terme, ça vire les... Vous jouez gros. Les trois cartes qui sont pas celles du milieu. Non, tu perds rien, je crois. Si, si. Parce que lui, il booste les autres, mais il se booste pas lui-même. Et pourtant, il est à côté d'un poète. Donc, je perds le plus 3 que lui peut donner. Et l'autre perd également le plus 3 qu'il peut donner. Tu vois. Impressionnant. La roue. Ah le gars blasé. Bah ouais, bah voilà. Je dis la roue comme un gars au fond du seau là. Bah ça m'apprendra. Est-ce qu'on veut tripler le poète? Ah, on veut tripler ça, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est très bien le tripler le poète. Ouais, je pense que c'est ok. C'est quand même tentant, hein. Non? Après, Fazeli. Fazeli, c'est gros avec les poètes. Enfin, si je trouve un Bran, je suis le roi du monde, mais Fazeli, c'est plus safe. En même temps, tour 8, on est bien. Peut-être qu'on peut jouer Kaleg, hein, pour une fois. Franchement, j'ai envie de... Est-ce que j'achète le cri de guerre ou je vais plutôt chercher Bran, là? Vous avez la pioche facile, dites-moi. Ok. Le sort du monde en dépend. Ouais,
Ok. Vous avez trouvé un sacré bon filon. Fazeli est mieux, je crois, mais Kalaigos, c'est mieux. Ok, donc les deux sont mieux, quoi. Heureusement que je joue tout seul, hein. Allez, un petit Branou. Impressionnant. Non, le timing de la test, il est pas bon. Parce qu'elle aura trop du, elle aura trop du mal à revenir. Fais passer l'attaque de vos dragons aux valeurs d'attaque les plus élevées de votre troupe de guerre. Fais passer l'attaque de vos dragons. Donc c'est l'attaque qui devient... de. Et là, on obtient un super promo. Et on le déclenche une fois de plus. Fais passer l'attaque de vos dragons aux valeurs d'attaque les plus élevées. Non, mais non, mais je crois que j'ai envie de braner, moi, en fait. Vous allez arrêter, là, le jeu vidéo. Ah, trop l'œil, c'est pas mal. Tente pas le Boubou. J'ai pas la place en fait. Je crois que je préfère Scale que Boubouifié. Mais c'est pas évident. Hein. Ah ça c'est un beau hit ça. On a un beau kit même. Bon il est fat le gars. Hein. Oh, on a bien hit. Hein. Ouais. Ok ok. T'aurais pu dorer tes Kalaigos avec Yulon. Ouais, je pouvais. J'ai pas osé, je sais pas. Mais je pouvais, ouais. Ça, ça fait un peu de dégâts, mais bon. Une action qui rapporte. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Je pense c'est quand même important de trouver Bran, je suppose. C'est mon royaume. Juste un tout. Ok, ça c'est cool. Bah ça donne un Bran hein, en fait. Voilà. Je vous souhaite une journée bien fraîche. Destruction. C'est les secrets que nous avons encore à découvrir.
Si je l'achète pas maintenant, je vais le manger avec Yogg et je vais être au bout de ma vie. J'ai bien fait de roll. Là, je suis content parce que, vous voyez, je l'ai cherché cette carte. C'était important. Je me suis pas dit, ok, j'achète tous les cris de guerre. Parce que je sais qu'acheter tous les cris de guerre ne crée pas une statie, ne crée pas un board correct. Il fallait Bran, j'ai mon setup avec Trouble l'œil. Après, faut savoir ce que l'on vire au prochain tour, mais là, je suis content. Là, j'ai un setup. En fait, c'est important d'avoir un setup d'économie et de tempo. La tempo, je l'avais déjà. Et je voulais pas en rajouter. Je voulais mettre en place le setup. Ouais, c'est super. Durée de vie sans vieillissement. Exactement. C'est cette quoi. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Votre confiance, votre échec. Alors, ça dort le serviteur le plus bas. Donc ça dort Bran. Le problème c'est que Bran il reste pas doré. Donc ça sert à rien. Après ça peut dorer lui mais... Non, je pense qu'on va virer lui. Attendez, je fais déjà un clic. C'est raté. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Ouais, faut qu'on trouve un autre cri de guerre. N'importe lequel. T'es sérieux le jeu là? J'ai un Murdoch. Ah ouais. Après j'aimerais bien en avoir deux. Bah, en fait c'est Primo qui lui vire. Ah je crois que j'en veux deux. Allez. Par contre. Oh j'ai eu le temps. Oh c'est un rêve, j'ai eu le temps, j'ai tout. Ça fait 6 ans que je rêve de ce play là. Et à chaque fois il reste dans les mains l'élème. Enfin non, pire, il est joué et il revient. Mais j'ai eu le temps. Oh, incroyable, j'ai eu le temps de faire ça. Mais en fait je suis plus pichou. Appelez-moi XQN ou enfin je vais rename en fait. J'ai eu le temps de faire le play. Par contre faut arrêter les gros dégâts là. J'ai eu le temps de faire le play. Magnifique. C'est incroyable d'avoir eu le temps de faire ça. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. C'est quoi ça déjà? Eh ça peut être pas mal ça. Oh waouh. Toujours utile d'avoir du renfort. Surprise!
Il y en a 3 sur la même ligne, je crois que ça se gèle, hein. Non ? Ouais. Ça, c'est le setup. C'est un setup qui compote. C'est le setup de l'autruche. Un setup qui court vite, un setup qui pond des gros œufs. Ouais, je peux pas gagner ça. Top 4 ça serait déjà beau en dragon. Même si en vrai on a le setup parfait en dragon, mais le problème c'est que ces dragons c'est vraiment... Caligo c'est une carte qui mériterait d'être à 25. Mais bon. Peut-être qu'on va faire top 4. On va voir. Ok, top 4 c'est beau. Voici l'étape 19 de ma routine beauté. Ok. Le boubou il est cool. Ouais, c'est un 50-50 hein. C'est dingo hein. Ça c'est... Ah non, ça fait rien ça. Ouais, c'est fou hein. Top 4. Et on avait le setup parfait, hein, comme quoi il y a vraiment un gros problème avec Caligos. Hein. Je vais même perdre des points sur cette game exceptionnelle, parce que ça reste une game exceptionnelle. Double Caleg, Bran, et on fait moins 8. Elle est magnifique cette game, elle démontre parfaitement le problème qu'il y a avec Dragon à l'heure actuelle. Que Dragon, en plus ça s'est vraiment vu sur le combat d'avant, que Dragon Taverne 4 est 100 fois supérieur à Dragon Taverne 6. Bah, ce n'est pas normal. We'll be right back.